Ah, Dora, j'aime bien, ça me fait rire. Une idée de la date du tournoi? Le tournoi, il aura lieu début ou mi-novembre. Voilà. Tu fais quoi après tes lives? Je cuisine. Je cours. Et je chill. Devant la télé. Comme un humain de base. Eh, hey, salut mon con. Et toi, après ton boulot, tu fais quoi? Est-ce qu'il y a un truc, vraiment ça m'intéresse, que vous faites après le boulot qui est quelque chose de rare? Vraiment un truc que personne d'autre ne fait. Moi, j'essaye de réfléchir s'il y a vraiment un truc genre atypique que je fais après le boulot. Ah oui, il y a un truc qui est assez atypique, c'est qu'après le boulot, souvent je rebosse. Ça, c'est plutôt rare en vrai. Et par plaisir, hein. Ok, donc ça et ça. Parce qu'au prochain tour, on a 3, plus 2, plus 1. Ouais, c'est un sacré départ, ça. Mes petits pères. Rentrer chez moi, personne ne rentre chez moi après son boulot, c'est vrai. Ça se tient, ça se tient. Oh, Sasuke lui, pas mal. Il connaît les règles du jeu. Je suis l'instrument même de la douleur. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Sympa ce départ, hein. Les prochains tours on a 6 plus 1 environ ça. Merci Yo-Yo Torex. Merci Yo-Yo Torex, c'est incroyable. Yo-Yo Torex, t'as pris un abonnement de niveau 3 pour 6 mois d'avance. Et ce qui est dingue, c'est que c'est ton 7ème mois d'abonnement. Ah non, c'est ton 7ème. J'ai cru que ça faisait les 6 plus 1, c'est-à-dire que c'était ton 2ème. En gros, tu t'étais déjà abonné, tu t'es dit là, j'y vais pour 6 mois d'avance parce que c'est incroyable ce stream. Mais ça reste quand même bien, hein. C'est ton 7ème. Mais abonnement niveau 3 pour 6 mois d'avance, c'est hyper rare. Je crois que même t'es le seul à avoir fait ça. Je crois que t'es le seul à avoir fait ça. C'est incroyable. Merci du fond du cœur, Yo-Yo Torex. Merci de ton aide. Alors pour le sub goal, ça ne compte quand même que pour 1. Mais merci à toi. Ok, donc là on up. On vire ce garçon. Et bam! Ouh! J'ai rien fait! On jure pas. Ok. Oh. 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 Ok. Rondelle, ça fait beaucoup d'argent. Rigor, ça fait beaucoup de tempo. Surtout avec la brasse branchie. Après, il peut se faire focus. J'aurais tendance à préférer l'argent vu que j'ai déjà menteur en value. C'est fat là, hein. T'as un menteur doré, menteur, Jim Carrey, 2002. Ouais, rondelito, je pense. Oh, vous l'avez pas encore péri, parfait. Vous avez trouvé un sacré bon. En fait, bête, j'aime vraiment pas, je trouve l'archétype vraiment nul. Encore avant, il y avait Goldrin qui était ok, maintenant ils l'ont... D'ailleurs, pourquoi ils ont détruit Goldrin? J'ai la réponse, je crois. C'est parce que Goldrin, je pense qu'à bas niveau, c'était trop fort.
Alors qu'à haut niveau, c'est vraiment nul. Ça fait des gros dégâts, là, sur BQB. Quel menteur ? C'est 97, menteur. Bah, j'ai roleplay le menteur. Ok. Je vais up, hein. Là, le pouvoir, on le refait ou pas ? Si, on peut, en faisant achat, pouvoir. Ouais, ça a du sens, hein. On l'a fait tellement tôt. Donc, ça veut dire qu'on achète la 4-5. On achète l'argent. Pouvoir. Allez. Ah, c'est quand même cool de le refaire. Ah, c'est 97, ok. 97, menteur. J'étais pas loin avec 2002, franchement. À 5 ans près, c'est ok. La réponse est quand même validée. Sur mes critères, du moins. Merci le Paco 1 pour le prime. Merci beaucoup. 55 mois de soutien. Ça, c'est beau, hein. Ça c'est de la confiance et une belle relation saine et pérenne, ça. Merci à toi. Merci le Paco 1, merci beaucoup. C'était pas mieux de jeter la 1 et voler le sort? Non, parce que comme ça j'ai une pièce tout de suite là. Non, j'ai pas besoin de la 1. En fait, la 1, elle sert pas à grand chose en début de game. Ça, c'est un peu comme un Leroy. Leroy, il va pas vraiment faire de la value. Je préfère avoir un 5-5 qu'un Leroy au début de la partie. La 5-5, elle peut value. Leroy, il peut s'écraser dans un 2-2. Ok. Notre copie non dorée. Le gant gros sens, c'est pas mal avec menteur. Franchement, on est bien. Est-ce qu'on ferait pas l'étal de souvenir? Non? Qu'en pensez-vous? C'est pas grid, mais... Ou autocollant et on fout le tempo avec l'autocollant. Ouais, l'autocollant, ça peut être naze, non? Quoique... Écoutez, je vais prendre quand même l'autocollant. Ah, vole toutes les cartes, c'est pas mal ça. Pas tous les serviteurs, mais... Je crois que c'est ok. Est-ce que je peux... Oh, ça c'est bien. Avec le menteur. Je peux quand même up, non? Et ça... J'ai un peu stressé là. Oh, j'ai un peu stressé à la fin là. Ok. Je me suis dit, si j'ai 5 gold flottants là. Ok. Bon, on est bien quand même. Ah, j'ai pu tout faire là. J'ai pu faire mon autocollant, faire mon up, améliorer un peu la taverne pour le menteur. Avec les bananes, j'avais un play aussi. Si je trouvais les bananes avec autocollant, j'ai acheté 3 cartes. Je bourrinais de bananes une carte. Je la bouffais. Ça doublait ses stats. C'était n'importe quoi. J'étais prêt à tout. Mais l'autocollant, c'est quand même pas mal, franchement. 3 tours après, t'as un autre truc. Mais ils ont quand même bien nerfé. Hein. Ouais, je voulais garder Gangrossant pour un autre. Super. Je fais ça. DJ. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Je crois que je vais réactiver, non? Non, on découvre, hein, quel gars. Comme ça, on peut tripler. Ouais, bah, j'accepte de prendre un peu de dégâts. Bon, gros sang, ça donne un peu d'attaque. Bah, à un moment, il faut quand même pas trop... Juste pour lui. Ouais, mais c'est pas juste pour lui, c'est quand même une carte de fou. Je crois qu'on l'achète, ça. Je clique, je vais vendre la 4-4. J'achète l'argent. Ah non, je peux faire ça et revendre.
Bah, c'est trop bien ça. Ah, à moins de virer eux et. Ouais, non. Si, je pense. Hein. On va faire un play comme cela. Ok. Vu le start, je prends l'éclat. L'éclat, c'est le truc de ta. Le bibelot. Qui se transforme en bibelot supérieur. J'ai hésité, hein. J'ai hésité. Ouais, c'est pas parce que t'as beaucoup de tempo que tu dois forcément le piquer, hein. Là en fait je joue plus safe au moins. Tu vois, je joue plus safe, je peux faire un up, j'ai mon deuxième loulou. Oh, ça c'est fat par contre. Ça c'est vraiment fat. Ah. Gangropter, c'est pas mal hein. Et Murloc Cambrioleur. Murloc Cambrioleur c'est cool aussi hein. Surtout qu'il y a une brasse branchie. Gangro, c'est trop lent, je crois. Non ? Ouais, je crois que je préfère le Cambry. Ça, ça peut dégager. Ça, je joue. C'est une impasse. Donc, j'ai un peu stressé à la fin, mais je crois que c'est ça. On ramène le Murkul en attendant. Ouais, je crois que j'ai vraiment envie de partir en Murloc. En fait, ce qui pour moi, c'est un peu kiff-kiff. Démon, c'est plus fort tout de suite, mais je suis à 38. Et Murloc, c'est mieux pour faire top 1, top 2. Je pense que j'ai plus de chances de faire top 1, top 2 en Murloc. Et ce qui me donne aussi envie de jouer Murloc, c'est que j'ai pas énormément boosté la taverne, donc ça reste quand même assez léger. Et il y a le j'ai un Murloc chaque tour en main. Voilà. Mais peut-être que je me trompe et il faut assurer. Oh, il a fait top 8 lui. C'est dingue. Ok. Ah, on pourrait changer de pouvoir. Ouais, mais non, ça c'est important. Ah, dès qu'on joue un serviteur. Ouais, ça c'est vraiment bien ça. Ok. Voilà, faut faire des choix. Jouer quoi notre opponent? Oui, jouer des Murlocs. Ok, donc lui il va être gardé, lui il va être gardé en attendant. Rondelito il va virer. Ça va être comme ça. Peut-être commencer par ça. Brasse branchie. Je préfère que c'est la brasse. Ah, peut-être qu'il y a un monde où il dégage. Hein, mais... Non, mais c'est ça qui va dégager. En fait. Après, je peux jouer deux brasses et virer ça. Bon, on va voir, on va faire quelques rolls. Voir ce qui se passe. Ah, ça c'est bien à avoir dans la main. Pour le prochain tour.
On va juste faire ça. Un sacré bon filon, ne lâchez pas. Très intéressant comme choix, merci. On verra hein, ce que ça donne. Hein. De toute façon, il faut essayer de sortir un peu des sentiers battus hein, quand les joueurs sont d'un gros niveau. Donc, les trucs évidents en général, c'est pas ce qui marche le plus dans ce jeu. J'ai l'impression. Et là, c'est vrai que le gangro, il était tellement évident que... J'y ai pas cru. Est-ce qu'on garderait pas ce Murkul? Non, bah non, parce que l'autre, il va être pété. Hein. Gangro tour 8 boosté avec taverne. Enfin, avec taverne boosté, j'aurais pris... Bah, en fait, quand tu calcules la stat, à la fin, c'est pas si dingo. Mais en fait, il faut juste calculer... Attends. Ton petit loup. En fait, le... Je crois que... Ouais. Allez. Ouais. Ouais, salut. Salut, vous. Ça se passe bien. Bourbi ou Bargargouille, ça revient au même, non? 3-3. Fais des murlocs. Je vais prendre la fée, hein. Quoique... Non, quand même. Ça peut être pas mal, mais j'ai pas la possibilité d'acheter. Je reclique? Non, ça marche jamais. Je refuse jamais de l'air, aussi petite soit-elle. Bon, il va y virer au prochain tour, lui. Et donc, oui, en fait, quand tu calcules, tu te dis, bon, là, les créatures, elles sont quoi en moyenne 9-9 7-13, on va dire, c'est en moyenne des 9-9. Ça veut dire que ton gangroptère, sachant que t'as déjà un menteur, il va manger, allez, 4 créas. Donc, tu fais 4 créas, tu fais 4 fois 9. Bah, en fait, ça fait que 36. Allez, on monte à 10-10. Donc, ça fait que 40. Donc, en fait, ton gangroptère, il t'apporte que 40 de stats chaque tour. Bah, je suis désolé, mais c'est comme une massacreuse, c'est pas dingo. C'est comme si t'avais double massacreuse ou massacreuse d'Arakari. Ça fait jamais top 2, et je pense qu'à mon niveau, ça fait même pas top 4. Donc voilà. Bon, là, j'avais vraiment un gros départ, donc ça aurait quand même fait 4, mais j'aurais fait 4 seuls. 4 et 4, je perds beaucoup de points. Ok, bon, ce serait bien un petit Bran. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Un ajout de qualité. C'est gros avec ça. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Il y a bien un truc qui est jouable là. Ah, c'est dur hein. Peut-être ça pour tempo. Ouais, même en tempo c'est naze. Ça dort quoi? Yulon dort le plus petit. On s'en fout de dorer ça. Je peux geler, hein. Après, est-ce qu'on va un autre?
Oh, je vais rester comme ça. Merci mon Képicon, merci beaucoup. C'est super gentil, merci à toi. T'es le 11e de la journée, merci beaucoup. C'est lent, hein. Après, on est que tour 11, mais... Je pense qu'on a bien fait d'aller dans la 6. Par contre, on est un peu dépendant de nos Bran et nos Getters, quoi. On n'a pas de pouvoir qui génère de l'économie et... Si tu fais top 1, mais là sur YouTube, elle servira à beaucoup de monde. J'aimerais bien la montrer à un pote. Bah, tu peux le faire avec les rediffusions. Les rediffusions sur ma chaîne sont gratuites. Après, même si je fais pas top 1, peut-être qu'elle ira sur YouTube. Hein. C'est quand même une game tellement intéressante. En fait, tout dépend si j'arrive à construire quelque chose de... En général, les games qui vont sur YouTube, c'est quand il y a une construction et une théorie derrière. Bon, là, il y a une théorie, mais on galère un peu en construction. Ah, bah voilà. Le jeu nous a écoutés. Ouais, il nous faut de l'argent là. Oh, remplis la main de... Avec ça? Ouais, non. On va prendre l'argent. Allez, hop. C'est quoi qui vire? Je crois que c'est lui. Bon, déjà, on va virer les petits loulous. Ah merde. Hop, hop. On va prendre un peu de dégâts, mais... Ça fait quand même mal, hein. Après, on s'en fout, hein. En vrai, on s'en fout. Ouais, de toute façon... On y va en bourrin, là. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Ah, c'est bien, ça libère une place. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Ok. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas. T'es pas assez large pour tripler Bran. Bon, les probabilités sont pratiquement inexistantes. On peut virer un poison. Ou ça. Ouais, mais ça c'est gros quand même. Après j'aimerais bien... Non, je vais... Franchement c'est un peu fou, mais je vais faire ça je crois. J'accepte d'être en ultra scale. Bon, ça c'est quand même pas mal. Ouais. Tiens. Ouais, tu faisais pas confiance non plus. Et l'autre est... Voilà un partenaire à qui on peut se fier.
Ok. Bon, j'aime bien parce qu'on a de la résilience. Ça, c'est de la résilience. Ça en est. On a quand même un board sympa. Avec des bonnes créas. Il y a le boubou divin. Je pense qu'on n'est pas, on est pas trop mal. Mais ouais, triplé Bran, c'est très très difficile. Il y a très peu d'itérations de Bran dans le lobby. Les autres jouent Bran également. Donc, c'est pas une histoire de points de vie, en fait. Enfin, c'est un peu une histoire de points de vie. Plus t'es bien en points de vie et dans ta tempo, plus tu peux te permettre de le tripler. En fait, je vais chercher à le tripler. Quand ? Ah, là, je perds une value, par contre. Et je le tue quand même. Ouais, je vais chercher à le tripler, le Bran, quand il est un Murloc ou un dragon également. Vous voyez ? Quand t'as le bibelot qui le rend Murloc ou dragon, quand tu génères des Murlocs, tu peux l'avoir. Et voilà. Mais sinon, je déconseillerais. De le tripler. Enfin, d'essayer de le tripler, c'est souvent une perte d'argent. Et surtout que ça bloque. En fait, le truc, c'est que si je le garde en main, ça bloque mes Murlocs cambrioleurs. Vous voyez ? Vous avez la pioche facile, dites-moi. Sérieux ? Je vais faire que roll, là. Bon, on a généré de l'économie en un tour. Hein. C'est beau, hein. Ouais, Jaracus, c'est vraiment bien avec ça. Bon, démon, je pense à un match-up qui est à notre portée. Bon, un poil risqué, mais... Ouais, je suis en train de me dire que peut-être Faerix c'est pas si mal en... Ouais, non. Prendre le poison quand même. Plutôt de tes Bran. Les poisons first. Comme ça. Ok. Je sais plus ce que je disais. Pourquoi pas magnétiser le Gangleron ? Je préfère utiliser mes magnétismes en stat. Mais oui, il y a quelqu'un la dernière fois sur YouTube. Vous allez me dire, je suis un peu fragile, mais qui m'a dit oh ouais, t'as pas essayé de tripler Bran alors que t'avais beaucoup de tempo. C'est vraiment un misplay horrible. Enfin, il a été hyper agressif. Et en vrai, ça m'a rendu un peu triste. Après, j'ai essayé de lui expliquer. J'ai fait l'effort et tout de lui dire bah non, il y a assez peu d'itérations de Bran, enfin comme je vous dis là. Et en fait, il a même pas répondu à mon message. Ça pétaradait de partout à la fin. Enfin bref, c'était vraiment pas sympa. Donc quand vous écrivez un message sur YouTube, essayez d'être gentil. Parce que derrière, il y a un être humain et ça peut être un être humain en plus. Moi, tout ce que vous dites, c'est hyper important pour moi. Donc, j'essaye de... Chaque message, je vais essayer de lui donner de l'importance, quoi. Donc, si vous êtes un poil agressif, ce qui peut arriver, hein, vous avez le droit d'être agressif. Mais si vous êtes un peu agressif en message mais que vous répondez pas quand je vous réponds, ouais, c'est un peu embêtant. Thank you.
recrue ci vous sera très utile, vous verrez. On va finir par un Leroy, hein. Hop là, parfait. Leroy first. Into ça, beaucoup de stats. Magnifique cette partie, et on a un énorme Prince Léoc. Enfin voilà. Mais ouais, j'ai ça en tête parce que... Bon, j'ai assez peu de messages agressifs. Ou alors parfois c'est agressif, mais... En fait, quand ça critique mon gameplay, ça m'ennuie. Quand ça me critique moi, ça m'est égal. J'ai beaucoup de messages de gens qui m'insultent moi, ou ma grand-mère, ou... Juste qui sont très énervés. Mais ça me égale. Mais par contre, mon gameplay, c'est important quand même. Je le travaille, quoi. Ma personnalité, je la travaille pas, je suis comme ça. Mais parfois j'en fais un peu trop, mais c'est, je suis comme ça. Mais mon gameplay, ça m'ennuie quand même. Enfin bref, voilà. Je vous le dis, si jamais cette personne est dans le chat, ça m'a un peu blessé. Magnifique, hein. Al dente, hein. Les côtelettes.